Merci de pouvoir choisir ce programme. Grand merci à la grande dame Francine Guémé-Dabé-Ligique de pouvoir nous soutenir la coordination de ce site de bonne manière, congodialogue.com. Merci de pouvoir vous abonner. Merci de s'abonner massivement dans ce YouTube Congo Dialogue. Ici, nous sommes à Cape Town, c'est spécifiquement ici la Western Cape, Afrique du Sud, où nous couvrons tous les événements, toutes les couches sociales, n'est-ce pas? Bien sûr, pour vous dire, rappel, Espace de l'Or, c'est là où la réflexion, la connaissance se rencontre. Espace de l'Or, c'est une plateforme de discussion, de réflexion, de partage, d'instruction et pour surtout d'informations couvrant les réalités du Sud. Je vous rappelle encore dans l'émission précédente, je vous ai promis, je vous ai peut-être annoncé que nous avons des tristes réalités ici en Afrique du Sud. Oui, qu'elles a passé. J'essaierai un peu d'être bilan pour amener aussi la compréhension à nos frères et sœurs qui sont à la diaspora, en Afrique, partout, à nos frères comme Camerounais, Togolais, n'est-ce pas, de West Afrique. Merci. Nous avons une situation un peu très triste ici en Afrique du Sud. L'histoire se présente comment? C'est aussi une préoccupation que la maman, je ne sais pas, nous allons entendre vos réactions. C'est une situation qui est vraie et réelle. Sauf que nos amis qui nous ont appelés, c'est ça notre travail, nous sommes la bouche et la voix de son voix. Et ils aimeraient peut-être rester anonymes, comme on dit en anglais. Ils ne veulent pas se présenter pour mesures de sécurité, pour mesures de protection aussi. Mais tellement ça a frappé, ça dérange un peu la communauté congolaise. Et la plupart d'entre vous pourraient peut-être savoir. Et si vous avez plus d'informations, Boloa est là pour pouvoir recevoir vos appels. Et nous allons encore savoir quoi faire. La situation se présente comme si il y a la maman actuellement que nous parlons, la maman est hospitalisée. Celle qui nous a appelé, c'est l'amie à la maman. Laisse-moi un peu dire, mentionnant les noms. Je vais donner des noms comme on fait toujours dans nos théâtres. Il y a des sobriquets qu'on donne, des noms sobriquets, mais ce ne sont pas des vrais noms. L'ami s'appelle, je ne vais pas aussi tomber à une erreur. L'ami s'appelle Bertina. Voilà. L'ami en question qui nous a écrit, qui nous a appelé, elle s'appelle Bertina. La concernée qui est maintenant hospitalisée aux soins intensifs, au moment que nous vous parlons, la concernée, la maman ou la femme, s'appelle. Je cherche les noms, hein, parce que ce sont des sobriquets. Je ne veux pas, pour raison de sécurité, toujours garder Bakombo et Bandekoana, parce que tellement c'est trop, la maman qui est Azana à Bosenga à Lissungi, qu'elle fasse quoi à ce net moment? Qu'elle fasse quoi? Mais c'est trop triste, bien-aimé. C'est trop triste, cher ami, cher abonné, cher Congolais. Makambo ezole kana ba foyer na bandaku oyo ezo sala pasi pe mawa bande konanga mama za na kat hôpital mena Bertina a komi libiso a bengi papa Boloa na landa ka bemission na yo couvre ka réalité du sud ozaka wana te pona évangile pona parole pona politique to pona éducation to pona spiritualité to religion mena mona ko sala ka pe bemission et ala ka réalité a sud entre autres. À l'endébus, mais c'est tout ça qui couverture. Il y a des réfugiés à niveau à Cape Town, Awa. Il y a des réfugiés dans quatre églises. Donc, il était vraiment intéressé de voir que nos émissions sont des émissions posées, instruisantes, n'est-ce pas? Pas de polémiques, pas d'insultes. Donc, on a sollicité à Kibiso. Bertina a commis à l'obibo. Camarade Naye, Bertina, on a commis à l'obibo. Camarade Naye, Tina. Bertina a commis le bisou à Bengi bisou à Bi Papa Boloa ne konanga na minito yo aza hospitalisé na zoe baté na salanine. Pourquoi aza hospitalisé? Ami nanga wana Tina azo vivre na mamwa mobali na ye. Ça fait un bout de temps baza na Cape Town Awa, mais c'est avéré que qu'est-ce qui s'est passé? Il y a celle qui a mis nanga kote hôpital parce que sa fille est née Azana âge à 17-18 ans à Zuizemi. Azotanga, nan azo présenté à Neoyo, mais c'est avéré que Azana Zemi. Tangwa, moi nan aibisi que maman, tel que je suis enceinte, au fait, tu vois, en tant que maman, il a remarqué que sa fille, la santé n'est pas bonne, tout ça, bah vomissement, bah malaise, tout ça. Il dit, mais ma fille, qu'est-ce qui ne va pas aux alarboïtés? Et à force de poser, de demander, je dis que maman, tout le monde nan a une chambre, aïe maman, je suis enceinte. Et, à ton âge, enceinte, il y a nani. Et puis si maman a un peu vertige, la maman est tombée à collapse.
na âge na yobo. On fait tout ce que nous pouvons faire de façon aussi sa classe na yo. S'il faut choisir, peut-être après. Et puis il faut même la personne mobile. Autrement quand même peut âge ça avancer quand même au koyo ko koko matina ba niveau oyo. Maman a quoi crise et attention la minute dans un hôpital. Alors Bertina t'as bien informé que non ton ami Tina a joué aux hospitalisés à l'andi en hôpital. Bah tiens na kata ba bonbon on a tout ça. Après un moment donné a dit mais ma standing est nini. Non j'ai un problème ici. Ma fille comme tu connais jolie qu'elle est. Azanazemina âge neuf mois. Moi j'attends que assise sa classe et le remercie à couper sa ngai à cause voisine. Essaie un peu de cause avec ma fille parce qu'en état on a atteint la posa comme on était na minute. La situation est trop difficile. Je suis tellement déçu dans ce cocaté. Bertina, alobina Tina, ok calme-toi. Na minute ce qui est important c'est ta santé. Moi je vais rentrer à la maison. Je vais un peu avoir plus de détails. Je vais avoir une causerie avec ta fille pour naïe ba. Ça la mine nini parce que tout le monde a quoi qu'elle est une fille très jolie mon amour qui toko et puis kabana 17 ans 18 ans moi je t'essaie de développer tout ça tu vois alors je vais rentrer à la maison toi reste ici bon et puis kabamba quand abisso bagardement là bas à la rater donc je vais venir peut-être te voir à 19h heure à visite mais donne-moi un peu le temps que je puisse un peu causer avec ta fille Bertina rentre à la maison bon la fille était allée à l'école. L'enfant plutôt, à Zongi, tant après couloir, après-midi. Bertina a appelé la fille, dont la fille, c'est-à-dire moi, Amina et Tina, tu vois. Dis-moi un peu qu'est-ce qui ne va pas. Non, il y a ceci, il y a cela, mais tu es enceinte. Oui, elle essaie un peu de mentir là. Non, c'est ta maman qui m'a dit que tu es enceinte parce qu'elle a insisté pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Comment ta maman se bat tout ça avec ton père, ainsi de suite. Bertine, après avoir causé avec l'enfant, ainsi de suite, mais dis-moi en fait, qui est le propriétaire Kolozemio Azanani? Qui est le père du bébé qui est dans ton ventre ici? L'enfant commence à pleurer. Cher ami abonné à Congo Dialogue, moi, Francine Guémé de Belgique, l'enfant a commencé à pleurer. Appelons l'enfant Fleur. Kumba Mana Fleur. Ce sont des noms sobriquets que je vous donne, donc je vous signale déjà. Fleur commence à pleurer. Ah, mais tu pleures pourquoi? Oh non, ah, j'ai difficile à te révéler. Comment? Naza mama na yo. Dis-moi, c'est qui est l'auteur de l'enfant? Je ne vais même pas te frapper. Na robeta yo te na rosa yolo mon côté. Je vais te protéger. Trust me. Bon, fais-moi confiance. Cher ami téléspectateur, une révélation très choquante, très grave. Une déclaration très grave, très choquante. Fleur dira, non, responsable à Zemio, et à papa Nangaï. Bertine a dit, non, peut-être tu rêves ou quoi, est-ce que tu es normal? Non, je porte la grossesse de mon père. Comment ça? Maintenant, Bertina s'est fâchée. Il voulait même tabasser l'enfant. Peut-être. Fleur dira non, maman, tante, auntie, c'est vrai. On me dit qu'on a ça, on a plus confiance. Tu m'as dit que I must trust you. I have to tell you the truth. Je vais te dire la vérité. Ça fait un bout de temps. Et ça, maintenant, on est nini. Non, c'est depuis presque 11 ans que mon père est derrière moi. Tu vois, bon, l'enfant joli, très belle, Azoko, la développement, Moranzoto, tout ça. Ça fait presque 11 ans à l'Andakanga, la douche, tout ça. Bon, tu vois que l'enfant donne des révélations que moi-même, quand Bertina m'a appelé, j'ai dit, mon frère, j'ai dit, ma soeur, Oebinga Boloa, Nazam Taba, Mtaboui, Nalinga Bama Stolote, Zangam Tuna Makolo. Abi, papa, je t'ai dit, voilà pourquoi je t'ai appelé, parce que trop, c'est trop. À l'âge de 11 ans, son père, à Bartina Kaye, à Landa Kaye, tout ça. Et après un moment donné, jusqu'à ce que. Et ce qui est curieux, l'enfant a pris son téléphone, a dit regarde, t'as le téléphone, aïe, la vidéo, le message, la photo, tu vois. Donc, c'est très choquant.
très choquant, cher ami. Et même quand je vous dis comme ça, ça m'a vraiment choqué. C'est une histoire qui s'est passée presque 2 semaines. Je me suis résisté pour venir vous le dire. Mais comme trop c'est trop, on devait quand même le dire pour sauver notre amie Bertina. Parce qu'elle cherche maintenant à savoir quoi faire, quoi dire à son amie Tina. Tu vois. Alors, l'enfant dit, ok, c'est mon père, tout ça. Ça fait un bout de temps là, Bandeau Kolana, voilà les photos, à Tindela, même ma partie privée, naïe, tout ça, ainsi de suite. Alors, à traiter, comment dire, to threaten, to menacer, à 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 Cape Town. Et j'ose croire que les concernés pouvaient me suivre ces vidéos. Et pour le moment, Bertina se pose la question, a besoin de l'issungi. Yango moni a komelinga, a benginga, a sen collaboration a biso na bino, ba cher ami, boza pe na poto, boza partout, boza landa biso, a salanini. A ebi sa camarade, na etina nouvel ango, to abomba ango ye moko. Le papa, parce que j'ai posé la question, est-ce que c'est pas stepfather d'ato, peut-être, comment dire, paraître. Donc, hein, le mari à maman. Hein? Non, c'est son père biologique. Bandegonanga, na minito yo, Bertina Zoluka conseil à Salanine. Si c'était toi à ta place, que feras-tu? Allège, serait-il possible qu'il puisse dire à son ami Tina, parce que l'ami toi Azana Koma, Azana est tellement critique. On se pose la question, Bertina Zolukayeba, Asanine, Ndeni n'a pas informé Tina dans la situation Oyo. Aébi, c'est un mot si quoi toi Azela Sokobim hôpital, toi comment? Et jusque là aussi, papa ne sait pas que moi n'a ça révélé, c'est écrit que non, il n'a ça responsable à Zemi. Bon, cher ami téléspectateur, voilà pourquoi nous sollicitons votre contribution, votre participation. Quel conseil donneras-tu? Quel conseil donneriez-vous à notre soeur, notre ami Bertina? Et quel conseil donneras-tu aussi à notre frère, notre soeur, Tina Oazan Hôpital. Avant Alibal, Aboma, toi Salanengenin. Le clavier est dans votre camp. Nos numéros sont là. Toutes vos réactions, vos suggestions, nous serons les bienvenus de façon que tu communiques en haut. Et pas à Bandeko, Bazana Kata situation. Désastreuse, monstrueuse. Oh, je ne sais pas moi, un papa lui-même aurait peut-être engrossé sa propre fille. Kindo kite, toba kisi. Quelqu'un pourra me poser la question parce que na tout n'agipe Bertina. Parce que papa on azana mbongo to peut-être les aba pacte to nini. Non. Azani ka tout comme tout simple congolais ka débrouillard nae. Même ça moi luka kaka. Mais comment jusqu'à ce que akomatina n'y voit point wana. Ce sont des 2-3 questions que j'avais posées. J'ai pas voulu même continuer parce que ça vraiment it's blow my mind et le killing et le killer qui est vraiment de la même manière que le killer de Komoka Zolanda. Bref, cher ami internaute de Congo Dialogue, le clavier dans votre camp, appelez-nous, écrivez-nous, quel serait votre conseil que tu pourrais donner à Bertina, comment elle peut informer à son ami et au cas où son ami aurait été informé, quelle serait peut-être sa réaction avant dans la carte quand la carte en d'accueillant au asanina bengana moana to asalaboni ezapasi pemawa komona makambozo le kana sena moyo oyo la réalité sud otozomona awa maman Francine Gueme de la Belgique voilà un peu makambo tozokutana nango awa eza ya ebele. Liste ça tellement moulaï.
Maintenant, nous avons un canicinabino. Que pensez-vous? Pour le moment, l'enfant en question, azo qui est en classe, mais azo traumatisé, azo bang, au cas où papa koyo kakena nos nouvelles les a déjà répandues. À Salabone. Voilà. Je dis grand merci à Esther Maboua Kabanzola. Voilà. Maman Francine de la Belgique. Grand merci à El Picasso. Bisiko Zali. Merci à Maître Tyson. Maman Ninen Tsenga. Ngolou. Ngolou Grasse. Mabouaka. Mabosanité Sylvie Gwema. Mabosanité Esther à Danemark. Mwenge, bon Saint Aristote na Paris, mais Bazolo en Abisso, et puis Nabinonyon Soroyo, Bolinga Kabisso. Bref, voilà un peu la situation critique, compliquée que nous avons voulu vous montrer, vous annoncer, vous informer, s'attendant aussi à votre réaction. Le papa a engrossé sa fille de 16-17 ans, âge moga puberté, le papa suivait sa fille. Quand elle avait encore 11 ans, aujourd'hui la fille est enceinte. Jusque-là, sa maman Trina est hospitalisée parce qu'elle a été informée que sa fille est enceinte. Mais la maman ne connaît pas encore l'auteur de la grossesse de sa fille. Est-ce que moi, on peut accoster le papa n'a été? Maintenant, l'axi va faute pas à Minaé, il a mis à maman à Tantine. Que ça vrai père abano tindi la photo tout ça bazana ba conseri moka un peu amoureuse parce que tu vois mwana mukia mwana ra mutabi mele ga bon tu vois comment ça se passe avec ba panique wana nyoso. Donc c'est un peu ça la situation que nous avons, une des réalités du sud que nous rencontrons dans nos foyers, dans nos communautés congolaises. C'est vrai, c'est pas seulement des communautés congolaises, il y a tant d'autres communautés aussi qui peuvent se trouver aussi dans telle situation. La fille est engrossée par son propre père. Que faire la maman? Comment annoncer cette nouvelle à sa maman? Parce que l'ami de sa maman est au courant de cela. Elle a promis à sa fille, non, je vais garder silence jusqu'à ce que ta maman se rétablisse. Un dossier à suivre. Je ne manquerai pas à passer dans le petit écran pour vous donner la suite. Le papa jusque-là fait fi comme si rien ne se passe. Voilà. Grand merci à vous. Écrivez-nous, WhatsAppez-nous. Vos réactions nous seront la bienvenue. Restez connectés et branchés jusqu'à un prochain numéro. Abonnez-vous massivement sur Congo Dialogue. Bye. Mokozia Milimo, Zoaloku, mon Seigneur.
Voilà, Maman Lisette, merci de retour encore sur ce plateau. Nous avons suivi, moi, extrêmement. Vous avez pas follow as belé, maman. Follow as. Non, anyway, ça c'est juste pour amuser la galerie. Anyway, l'album, c'est pour quand? Je ne peux pas vous dire pour le moment, mais ça se prépare. Ça se prépare. On est déjà presque à la fin. On est presque à la fin avec le travail que nous faisons. Par la grâce de Dieu, on va annoncer. On va annoncer d'ici là, donc, ce n'est pas encore pour longtemps. On va vous annoncer. On va annoncer au peuple. Le titre est déjà là quand même. Oui, le titre est comme...